Bonsoir à toutes et à tous, inspectrices, inspecteurs, bienvenue dans ce 57e épisode de l'émission Délivrez-vous. Et ce soir, on est profondément ravis d'accueillir Monsieur Nicolas Degani. Monsieur Degani, bonsoir. Eh ben bonsoir, je suis content d'être là aussi, ça fait plaisir. Bah écoute, c'est partagé et puis on va osciller entre Degani pour donner l'impression que tu as une particule. Exactement. Degani, ouais. ça va, voilà. On va socialement, je vais évoluer ou pas pendant la soirée. Non, ouais. C'est juste par envie. Juste d'accord, très bien. Nicolas, tu es l'auteur de l'excellent Ce qui brûle, paru chez Sarbacane, qui est un quadruple coup de cœur à la librairie. Consensus total. Ce premier album est bien mené, gars. Vraiment. C'est assez gentil. Et comme d'habitude, comme dirait le roi des Burgondes, biographie. Du coup, tu es né en 1987 à Rennes. Tout à fait. Après une formation en cinéma d'animation à l'école des Gobelins, ce qui n'est pas dégueu, hein, quand même, dont tu sors diplômé en 2011. C'est vrai. Tu t'associes avec 5 camarades. Quatre. Oui, vous êtes 5. On est 5 en tout, voilà. Oui, voilà. Ouais, excuse-moi. Dans le collectif CRCR. C'est ça. Il est toujours actif. Toujours. Ouais. Et ensemble, depuis une dizaine d'années, vous réalisez des courts-métrages, des trailers, des clips, des publicités, notamment, enfin, principalement en animation. En dessin animé, ouais. Ouais. En parallèle, tu fais aussi de l'illustration, ouais. Ce qui te permet aussi de collaborer avec des magazines en France comme L'Obs, Les Échos, la Revue 21, Uzbek Erika, ouais. Qu'on aime beaucoup, et mine de rien, outre-Atlantique, avec le New Yorker, Wired, ouais. Variety, Hollywood Reporter. C'est ouais. Pas dégueulasse. Bon CV, monsieur Degani. Oui. Là, du coup, tu as droit à la partie bleue. tu as publié Ce qui brûle chez Sarbacane au début de l'année. Et ouais. Aussi, à côté, tu fais de l'animation, toujours. Tu nous avais dit en off. C'est ça. Ah bah, je fais les deux en même temps, ouais, dessin animé et bande dessinée. Plaisir, ouais, ouais. Et puis, porter la double. Sherlock Holmes, on sait que c'est la casquette la plus saillante qui soit. C'est vrai, la double. La double casquette. Ah, je l'avais. Ce qui brûle est un quadruple coup de cœur de la librairie. De la librairie. Ouais. Qui met en scène Alex Mills et Pouillou. André Pouillou. André Monsieur André Pouillou. Je n'étais pas sûr, je sais que c'était un prénom en vrai qui sonne la France Camembert. Deux flics qui sont un peu la risée du commissariat. C'est ça. Et qui entament une enquête à propos de meurtre. À base d'acide notamment. Magnifique album publié chez Sarbacane, donc avec un beau dos rond, dos toilé, ouais. Petit embossage qui va bien en papier. Bien joué là-dessus. Ouais. C'est incroyable, qualité d'impression qui met vraiment en valeur ton trait. On ne saurait que trop vous recommander de passer commande. Merci. Et pour rencontrer Nicolas, et, une griffe de cet homme. Et ben merci. Nicolas, on va commencer gentiment les questions. Robin à la technique, merci d'être là et d'être nos yeux et nos oreilles. Si tu veux nous balancer la vidéo des dédicaces, n'hésite pas. Nicolas, étant donné que c'est un premier album, étant donné que c'est un album, est-ce que Yann qui t'a sollicité en ayant vu ton Instagram au préalable? Et ben c'est un peu c'était un peu des deux. C'est un peu... Frédéric Lavard, qui est le créateur et puis de toute la. Toute la partie dessinée, en me disant ah, j'aime bien ce que tu fais. Si tu as un projet, je lirai avec attention. Je suis validé là. J'ai travaillé sur ce bouquin pendant. Enfin, sur... qui m'a un mail, il m'a aimé. Donc après, tout ça. Enfin bon, on
et on a vraiment bossé ensemble pour essayer de faire le bouquin possible. Mais c'est qu'au bout de genre deux tiers de l'album où je dis ah mais il a envoyé il y a longtemps. Il m'a dit qu'il avait complètement zappé. Donc c'est quasiment un hasard. Comme quoi, peut-être une surprise là-dessus. Tout simplement, assez naturellement en fait, mine de rien. Ouais. Je m'étais dit, en plus, là c'était pile l'année de mes 30 ans. Donc j'avais un début de crise de trentaine qui arrivait. Ouais. Et je m'étais dit, bon, il faut que je fasse quelque chose de. En gros, j'avais un truc où je me disais, ben là, plus tard je ferai machin. Et là, il faut maintenant se dire, pas plus tard, mais maintenant je fais ça. Et c'est pile bon, où il m'a envoyé un mail qui. Ça m'a cueilli. Ça m'a cueilli. Salut. Ah, les astres. Parfait. T'as quoi ? Tu es qui, du coup C'est un truc un peu nébuleux ouais. De. Ah, il faudrait. Pas, réalisation je, de soi. C'est même pas je vais, c'est il faudrait. Et, ouais. Et puis là, en plus, il va me dire quelque chose. Parce que. Je suis bien tombé parce que. J'ai regardé ce qui portait, je crois que de mémoire il y avait genre à ce moment-là. Oui, c'était il y a il va... ouais, comme ça, ouais. Oui. J'ai vu. Vous avez commencé à lire les choses ensemble. Et c'est ça qui est intéressant. Avec... entre guillemets le plus pétillon, le plus pointilleux possible parce que si comme ça enfin sachant ça je me dis si pour lui ça passera pour les gens qui le bouquin après qui le découvrent en librairie quoi. Et du coup, moi, c'est un truc que j'ai toujours, qui me plaît bien, c'est de pas avoir. Moi, je veux pas juste un mec qui imprime ton bouquin, mais je veux qu'on le bosse ensemble. Et moi, c'est un truc qui. Parce qu'en plus, j'ai ce truc de plus. Plus il va s'investir dans le bouquin, plus il va y croire. Plus, du coup, plus ça va marcher, et puis plus il va le défendre derrière aussi. Et puis bon, l'animation, j'ai l'habitude de bosser avec des gens et oui, vraiment, on se remettre des idées. Donc, et vraiment, c'est un truc que j'aime bien voir aussi. Donc, on s'est bien trouvé là-dessus. Ouais. C'est vrai qu'en tant qu'animateur de formation, disons, ça doit être délicat aussi d'arriver dans des périodes de production de planches, de bandes dessinées où... mine de rien, de manière romantique, moi j'aime bien imaginer un moine copiste aussi. Un peu. Oui. C'est vrai qu'avoir un peu de contact derrière, je ne sais pas si vous tronçonniez en fait l'ensemble de l'album qui fait près de 160 ouais. pages, hein, il me semble. 178. 178, Et du coup, est-ce que vous aviez des tronçons, des segments comme ça? Est-ce que tu le faisais par séquence ou, Alors moi, parce que je viens de l'animation aussi, j'ai une formation qui fait que, habitude d'avoir vraiment un truc. J'aime bien quand tout est très cadré. Okay. Ça veut dire, je me dis là, ça doit être fait à telle date.
Donc, on fait un rétro planning. Donc, il faut que tout le storyboard se finisse à telle date. Comme ça, je peux en faire 12 par mois. Donc, on divise tout ça. Et du coup, ouais, c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, on a fait d'abord, quand on s'est mis d'accord sur le scénario, alors sur le scénario, pour le coup, il n'y a pas de vraie date. Enfin, on valide quand c'est validé, quoi. Puis, si ce n'est pas validé, on continue, enfin, on repousse tout. Tant que c'est pas, tant que ça ne nous satisfait pas tous les deux. Enfin, tous les trois, parce qu'on avait aussi Julia Thévenou aussi qui était qui épaulait bah, du coup et Fred et moi et qui donnait un avis et qui a donné plein de trucs intéressants. Donc, on était trop là-dessus. Tant que on n'était pas d'accord là-dessus, on valide pas le scénario. Une fois qu'il est validé, c'est tout. J'ai fait tout le storyboard. Ok, tu l'as fait d'une traite. D'une traite tout le storyboard. Okay. Comme ça, je peux faire lire l'histoire et puis on peut me donner des ressources en disant oh, mais ça oui, ça non, avec des petites modifications et tout. Et puis après, c'est les 180 planches, c'est le gros tunnel. Il faut passer comme une longue barre de chargement quand on installe un point logiciel, quoi. C'est 0%, 1%, tout ça, ça dure. Un bon vieux jeu à 60 gigas. Exactement, Et donc ça a pris 14 mois pour le coup. Un délai, franchement. Je l'ai senti passer, mais oui. Mais oui, après, bon, c'est 180 pages avec 5-6 cases par planche. Donc, par rapport à un 48 pages classique où il y a 8 ou 9 cases, donc ça fait un truc où faut remettre ça là-dedans. Donc c'est... Mais oui, c'était quand même un long tunnel confiné en plus, pour la plupart. Et à la toute fin, donc, bon, pour revenir sur la merde dont on a procédé, à la toute fin, on a revu les dialogues ensemble. Et puis, bon, il y a toujours 2-3 petites semaines pour faire les retouches. Remettre au modèle et tout ça. Enfin, ouais, ça, histoire de fignoler, de s'apercevoir des détails. Il y a des personnages, enfin, les personnages principaux, ça fait quasiment un an et demi que je les dessine, donc forcément les premières planches, il faut un peu les revoir. Ah ok, d'accord. T'as un peu remasterisé on va dire lisser, quoi. Ouais, lisser un peu le truc. Ouais. Voilà. Et alors pour la petite histoire aussi, les 40 premières pages, ça se passe deux jours. Donc à ce moment-là, je voulais faire un truc, 40 premières pages, qui était complètement en aplat. Il n'y avait pas de dégradé et tout qu'il peut y avoir. Final, quoi. Et en fait, je suis arrivé à une séquence qui se passe dans une boîte de nuit. J'étais incapable de la faire en aplat. Ou tu sais, avec des masses de noir comme avec Mignola ou tout ça. Ça, je suis incapable. Et parce que le style d'illustration que je faisais, il y avait beaucoup ces dégradés. Donc je me suis dit, bah tant pis. Tant pis, il faut y aller à fond, quoi. Puis du coup, j'ai tout repris les 40 premières pages pour caler avec tout ça. Donc, ça a fait un mois de plus que je me suis calé. Je crois que c'était le mois d'août dernier, du coup, où il a fallu reprendre les 30. C'était les 32 pages de mémoire qu'il a fallu remettre. Ah bon, fallait pas tout redessiner, mais il fallait refaire les ombrages et puis revenir dans les fichiers Photoshop pour faire tout ça. Okay. Bah pareil pour lisser, quoi, pour avoir un truc que. Le lecteur, il le lit en une heure, mais. Tu vas faire en 14 mois, il faut qu'on sente la sueur. Et puis les achoppements. Voilà. Éventuellement, il faut que ça soit fluide. Voilà, exactement. Technique et qui. Je pense qu'il faut à tous. Dans ta mise en lumière. Donc on le garde de côté juste pour revenir. J'aimerais juste que c'est des personnages que tu as un moment dans un ce grand gars est un peu un départ différent. Premier bouquin, il y a moyen de se casser rien. La conséquence de ça. C'était de me dire, si je fais un personnage, alors ça va être un duo, on va faire un duo parce qu'on va rentrer parce que le futur va venir du pot à la sortie. Et si un personnage qui a
qui a mon âge, alors ce sera une fille. Et si je fais un personnage qui est un mec, alors il sera plus vieux que moi. Okay. Pour avoir une chose où à chaque fois, j'ai du recul. Je vais trop me mettre dedans et puis je vais pas réussir à suffisamment les mettre dans des positions inconfortables parce que je me mets trop dedans. Donc ça fait ouais, une... comme je dis, je vais faire une ouvert quoi, bien ça. Et après donc le un des points d'achoppement pour rentrer dans l'histoire, c'était l'histoire du au tout début. Alex qui a eu un petit un accident de scooter. Parce que elle sort de son du bureau horoscope lui prédit un événement frappant, mais il m'est rien arrivé aujourd'hui, et c'est pile à ce moment là qu'elle se prend l'accident. Donc elle qui est quelqu'un très à terre, du coup elle a fait complètement vriller. Possibilité d'avoir des conseils. Et pour elle, les conseils, c'est proche. Ouais, elle est dure, Alex. Elle est très dure là-dessus. Et du coup, un grand. Ce truc, il faut deux personnages qui vont se faire ça. C'est un peu ça. Conclusions qui ne sont pas forcément naturelles. Après, on change bien parce qu'on a ça fait la fille qui est très. Qui est très dure. Le mec qui est beaucoup plus. Qui a un premier. Oui, il y a un peu où j'ai aimé. C'est une problématique qui tenait à cœur aussi. Une jeune nana qui a un binôme de flic ou. Je trouvais ça assez. Un peu personne assez marrant de ouais, cette okay. et puis en plus il y avait dans un comité très pareil la graine de base quoi, on est dans un commissariat qui sera dans le grand classique des films américains hardboiled ouais. Et où du coup c'est que des mecs, donc elle forcément si elle est très terre à terre et tout ça. La logique elle voudrait qu'elle veut tirer son épingle du jeu, qu'elle veut se prouver elle-même sa valeur, et c'est un peu le truc qui la bloque, et elle le sait, elle ne peut pas s'en empêcher. Pour prouver elle-même sa valeur, il faut qu'elle le prouve au travail, à ses collègues, et du coup c'était plus, c'est pas forcément le sujet du bouquin, mais c'est quelque chose que je trouve intéressant de développer. Il y a un personnage, c'est le moment où tu dis, juste à la série, il y a peut-être un personnage qui se dégage, et puis, à ce moment-là où... Et on... Alors, il y a aussi quelques graines qu'on a posées auparavant où vous avez repris des dialogues avec Fred, etc. Mais on amorce tranquillement la transition vers le cinéma où forcément ceux qui brûlent, c'est un potentiel cinématographique de ouf. On est que tu viens de voilà. Professionnelle puisque... Mais qui donne une vraie saveur à ce moment-là, hein, vraiment. Et c'est ce qui fait qu'on a surkiffé ce bouquin, vraiment. Tu parles du duo de flic et mal assorti, mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, c'est le buddy movie, quoi. Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Le polar, tu dis, c'est un folklore, quoi. C'est vraiment Pour toi, folklore, c'est au-delà du cliché. Bah, c'est-à-dire, c'est vraiment un truc, c'est dans la culture. On coche les cases, quoi. Il y avait un truc, par exemple, ce qui est pratique avec ça, en plus, pour une première BD, c'est que le travail, il est déjà fait dans le sens où il suffit de faire un dessin de New York. Et du coup, n'importe quel lecteur saura où est-ce qu'on est. Parce que, et dans quel genre on est, à la limite et dans quel genre on est, allez, peut-être pas la deuxième page, mais du coup, un peu plus après. Juste parce que il y a eu des tonnes de films qui ont été vus, des tonnes de trucs. Donc en fait, les films et la culture des lecteurs fait le travail à la place, du coup, à ma place. Et du coup, c'est pas comme un truc de SF. Où on doit expliquer l'histoire en plus, enfin le contexte en plus des personnages. Univers, voilà. Ouais, donc il y avait ça aussi. Et puis après, pareil comme le polar, il y a envie entre guillemets d'avoir une espèce de
faut être un peu gourmand entre guillemets, dans le sens où si on, il faut c'est un polar noir, donc même dans le mot il y a noir, donc il faut vraiment qu'il y ait les lumières et tout ça, et il faut se faire plaisir à le dessiner, le clair obscur, ouais. Voilà, et tout ça, donc il va très vite dans le côté cinématographique forcément, et il faut voir ça, parce que c'est si on respecte du coup ce genre, enfin il faut se faire plaisir, quoi. Il y a vraiment ce côté là-dedans. Et justement, tu te fais plaisir, et c'est très agréable aussi d'être juste un peu décontenancé par le mélange entre univers new-yorkais, qui est le cadre parfait pour le polar, etc. Mais il y a André Pouilloux, quoi. Bah ouais, qui ouais, correspond ouais, ouais. À l'inspecteur La Bavure. Ouais, déjà, juste le nom, le tout se passe à New York, et il y a un mec qui s'appelle Pouilloux. Déjà, il est français, enfin, ça se voit qu'il est français là-dedans. Bah ouais, carrément. Et ouais, c'était l'idée, ouais, c'était un peu de l'avoir avec qui, du coup, lui, il est très rêveur et tout ça, ce qui est une qualité et un défaut parce qu'il se met jamais du coup à la mesure du monde dans lequel il évolue. C'est un gars qui arrive le premier jour, il faut s'imaginer, t'es dans un commissariat et ton partenaire il arrive et il dit, hey, salut partenaire. Puis il dit, bah non, mais là, on n'est plus dans un film, on bosse là. Bah, tu vois, tu m'appelles pas partenaire, ouais, ouais. Tu peux m'appeler par mon nom de famille si tu veux pour me donner un petit genre, mais partenaire, ça va pas du tout là. Et il est un peu comme ça, donc c'est une qualité, un défaut. Puis il avait l'idée comme ça de faire un mec un peu touchant. C'est comme si tu avais même physiquement, c'est comme si tu avais un Dupont et Dupont où tu enlèves le jumeau, tu n'en gardes qu'un et tu le mets dans un. Il y a un petit peu ça, ouais. Et du coup, il est esselé, ouais. Et puis du coup, il est. C'est un mec. Le truc que j'espère en tout cas avoir chopé avec ce personnage, c'est qu'il est. Gentil, mais c'est quand on dit les gens, ah, il est gentil. C'est un truc il est brave. C'est quand tous ces mots-là deviennent des trucs péjoratifs juste avec le ton de la voix, tu vois. Mais du coup, il a cette limite-là, mais c'est quand même un bon flic. Enfin, il est pas bête. Il fait les liens, il est quand même proactif, mais c'est juste qu'il a un style et une manière de faire qui est pas du tout adapté, et il s'en rend pas compte là-dessus. Par contre, dès que il faut un truc un peu abstrait, un problème un peu abstrait à gérer, ça il est tout à fait en capacité de le faire. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Il a de vraies capacités à abstraction. Voilà. Il est moins là-dessus, parce que l'idée, enfin, ce que j'espère en tout cas avoir fait là-dessus, c'est que du coup il soit un peu complémentaire avec Alex là-dessus. C'est le duo, enfin c'est l'un des duos parfaits. Il y a ce truc-là. Alors bon, le seul problème, c'est que par contre Alex, elle, comme elle va tout droit. Elle ne l'écoute pas quand il veut l'aider. Ouais, bah oui, et lui, comme il est trop dans la lune, il n'entend pas. C'est remis au zigzag. Voilà, il n'entend pas quand elle dit là, mec, tu fais du hors-piste. Donc, c'est toujours. De toute façon, c'est un peu universel, j'ai l'impression. Quand tu es à le contraire de quelqu'un, soit ça marche méga bien, parce que chacun. Il y a une complémentarité. Voilà, il y a une complémentarité. Soit ça ne se comprend pas du tout et tu ne prends pas les qualités de chacun, mais les défauts de chacun. Et du coup, là, on rentre vraiment dans le cliché du buddy movie. Mais t'arrives quand même à créer des séquences d'anthologie, parce que la séquence de l'interrogatoire du suspect qui leur donne la piste principale, elle est incroyable. Et il y a un retournement de situation qui, je trouve, renouvelle le genre. Après, c'est que dans le chèque, de toute façon, la séquence de l'interrogatoire, c'est un truc, c'est polar noir, il faut qu'il y ait un interrogatoire. Donc renouveler entièrement ça, je sais pas trop. Parce que tout a tellement déjà été fait. Ça se trouve, en fait, tout a déjà tellement été fait qu'en fait, il y en a qui ont déjà fait ce genre de truc et tout. Mais l'idée, en tout cas, ce que je trouvais intéressant, parce qu'il y a toujours, c'est un des clichés, l'inspecteur qui vient et qui joue le jeu du psychopathe. Oui, ok. Je voulais amener et du coup le psychopathe il s'en mêle les pinceaux, il se met à avoir à vibrer, et puis du coup il balance le morceau sans le savoir, à cause de cette poussée d'hormones de psychopathe. Pour répondre au cliché, quoi. Et là l'idée, c'était que Pouilloux, lui, il arrive en voulant faire vraiment le bad cop, mais il se rend pas compte qu'en fait avec ça dégaine et tout ça. Non, il rentre dans ce truc où il fait partir dans les presque dans les aigus, entre guillemets, fin du jeu. Limite. Et puis bon, je sais pas là.
vient en tant que gros. Il passe. Mec, t'es pas un dur, t'es rien. En gros, il commence à la. Et un peu homophobe et tout, parce que bah, c'est un salopard, hein. C'est un enfoiré. Ouais. Donc à tous les niveaux, il est enfoiré. Le mec et, tape dans le foie, quoi. Ah ouais, il tape dans le foie, dans le fond, dans tout. Il arrive du coup, Pouillou, à garder avancer l'enquête, ouais. Mais en perdant des points de vie, quoi. Le mec a servi son ego de paillasse. Et du coup, en plus, le truc que j'ai essayé, que je trouvais intéressant, c'était de. Il est tout seul dans la salle de Torgato, ouais. Mais il sait très bien. Et ben, tout le monde sait qu'il y a le miroir, le miroir centre, ouais. La vitre centrale. La vitre centrale. Et il sait très bien que du coup, tous ces. Le voit se faire foncer. Et. Signe un peu, ouais. Le gars. Conflit. Dès qu'on le taille, il dit mais non, c'est une blague, c'est pas grave et tout. Et le mec dit mais non, c'est pas une blague, c'était vraiment. Il enfonce le clou. Ah ouais, vraiment, il met la tête dans les. Ouais, là, il y a la vérité, t'es à l'opposé. Enfin, bon, comme ça, quoi. Parce que bon, bah, en tant que tueur en série viriliste, c'est la virilité qui est le point. Voilà. Le thermomètre, enfin, l'unité de mesure. Le, oui, exact. Le baromètre. Merci. Et donc il le défonce là-dessus. Et il dit un peu tout haut ce que le commissaire. Et ouais. Du coup, il peut plus cacher sur c'est de la blague et tout. Là, c'est devant lui. Et puis, bon, le même commissaire. Ah, putain, c'est un peu chaud quand même. Là, ouais. Comme c'est une tête de turc qui se rend pas compte que bah là ça l'a touché Alex qui est son duo tout depuis le début là elle sent que ouais qu'il faut peut-être prendre soin de son collègue quoi voilà même elle qui est vraiment coincée dans son embourbée dans ses problèmes ouais là elle est au premier rang d'une pièce qui se dit un dira un moment où elle ne pas tient où elle dit Je vais spoiler mon histoire. On va essayer. On parle pas de la fin, sinon je vais tout spoiler là. On va essayer qu'on fasse que ça se passe pas. Ouais, voilà. Y a un autre point que je trouve essentiel et qui forcément se voit lorsqu'on feuillette l'album, c'est la gestion de la lumière. Du coup, on y vient. C'est donc extrêmement cinématographique, mais surtout c'est un pointillisme où je me demande si tu bosses de manière traditionnelle et que tu avais des planches, et du coup tu t'es amusé avec un Rotring 01 001 à appliquer des points, ou si tu as réussi de manière numérique à gérer cette lumière qui est incroyablement belle, incroyablement douce, et qui justement, de par sa douceur et de par sa finesse, fait un contrepoint parfait esthétique avec avec la dureté du propos. Du plus, ouais. Et comment le moi déjà je suis complètement depuis je sais pas 10 ans maintenant, je dessine uniquement sur ordinateur. Ok. À part pour les dédicaces, mais sinon c'est vraiment que du dessin numérique. Donc de A à Z, il n'y a pas eu un dessin sur papier pour cette BD, quoi. Et du coup, en fait, comme j'ai appris à dessiner sur ordinateur, du coup, et puis il y a bon, je suis pas le seul maintenant, mais tous les gens qui a, enfin, du coup, ça fait que je cherche pas à récupérer. Ce que je sais faire en traditionnel potentiellement, en technique traditionnelle sur ordinateur, ça devient directement. Donc en fait, moi il y avait un truc que j'avais envie de faire graphiquement de manière globale. Je sais que j'avais choisi Alien Éclair, c'est de me dire le geste du dessinateur, je vais essayer de le cacher complètement. Donc Alien Éclair, en plus je pensais que c'était facile Alien Éclair, donc je me suis complètement gouré parce que ça a été une galère bien plus compliquée que si c'était plus lâché. Mais je me disais, ligne claire, comme ça, on verra pas le plein et le délié. Donc, c'est vraiment un truc neutre, un trait neutre. Et puis, les dégradés comme ça, uniquement faits sur Photoshop, hein, ça permet de pas avoir du tout
de coups de pinceau. Enfin, tu vois, on sent pas du tout. On n'a même pas l'impression qu'il y ait une main qui a fait le truc, entre guillemets, tu vois. Il y a pas l'envie de se rendu quasi clinique. Voilà, en gros, c'est ça. Que comme ça, le personnage, il existe, mais on ne voit pas moi qui est en train de le... On ne voit pas le... Et puis, j'aime bien, en plus, quand les histoires, enfin, les dessins, entre guillemets, on ne voit pas les différentes couches. On ne se dit pas, OK, il y a eu le crayonné, le trait, puis après, enfin, le crayonné, l'ancrage, et puis tout ça, là, c'est un peu, tout est un peu mélangé. Et oui, pour revenir sur le coup de la ligne claire, je m'étais dit ça parce que je me dis bon ça va être un clean tout propre et tout ça, mais en fait c'est une galère parce que d'un point de vue tout à fait bête et méchant, j'ai envie de dire, un visage quand il est fait en 8 traits, enfin en 10 traits, tu rates un trait, t'as raté 10% du visage quoi. Okay. Alors que si tu fais un truc avec les hachures et tout, tu rates une hachure. Il y a un truc, même quand c'est lâché, j'ai l'impression qu'en tant que lecteur on accepte plus le trait qui est un peu plus parce que c'est qui fait partie d'un mouvement et que du coup est pas tout à fait juste parce qu'il y a le mouvement qui est là, alors que là c'est un truc posé et du coup des fois je zoomais à 200% pour me dire ah, putain il faut que j'en fasse ce trait là. Ah oui, quand même. Ça c'est le danger de Photoshop, c'est de zoomer, alors que à moins d'avoir une loupe, il y a un moment où mais ça c'est, tu t'en es rendu compte à l'impression ou au moment de l'impression tu dis voilà je me suis escagassé à un détail. Je le sentais, surtout déjà en illustration et pour des magazines on s'en rend un petit peu compte des fois que bon, mais des fois c'est con, mais surtout sur les visages et les regards en fait, parce que bon qui sont quand même un peu le vecteur aussi, et puis surtout c'est ce qu'on regarde en premier. Bon, si la main elle est pas géniale une case ou deux, typiquement la main fralée, oui c'est le genre de truc qui c'est même pas... pour nous des béotiens du dessin on se repère quoi. Donc, ouais, et puis c'est pas trop grave aussi, je sais pas si y a une perce qui est pas incroyable, voilà, mais le visage, enfin le regard pour le coup, en plus c'est quand on voit quelqu'un ça se regarde en premier quand on lui parle et qu'on est poli, mais non, en gros, enfin donc du coup ça fait que mais du coup ça fait que ouais c'est le truc où c'est bête, mais vraiment des fois à 5-6 pixels près ton personnage il perd 20 points de QI quoi, il se met à loucher, enfin tu vois c'est bête. Oui, hein. Non, typiquement le oui c'est vrai que le côté strabisme, ouais. Et là d'ailleurs t'as mal calé un œil, en dédicace les bonhommes de face ou de trois quarts, je dessine qu'un œil parce que si je dessine le deuxième on part en Jean-Paul Sartre quoi. Bah là voilà, ouais. On aime beaucoup la prose de Jean-Paul Sartre, mais bon, il faut reconnaître. Ouais. Ah, ben, mais d'ailleurs, ta technique de dédicace est, alors, forcément différente de celle que tu as sur ordinateur, mais témoigne de quand même d'une relation assez, assez proche. Enfin, il y a quelque chose qui vibre de la même manière, forcément, c'est le même artiste, mais tu as retrouvé les. Est-ce que tu es à l'aise avec les dédicaces? Est-ce que tu penses avoir trouvé un modus operandi qui te mettent autant à l'aise que quand tu es sur tablette ou sur Photoshop ou sur Cintiq? Bon, j'ai l'impression que c'est pas le même exercice. Donc, c'est comme écouter un artiste sur CD et un artiste en live. Ouais, alors en vrai, j'ai l'impression quand même quand je fais un dessin pour une case de BD, ça doit répondre à la scène, à la case d'avant, à la case d'après. Donc, il peut pas, genre, s'il est pas content la case d'avant et qu'il s'ouvre la case d'après, si c'est pas dans le scénario, c'est bizarre. Alors que c'est vrai que dans la dédicace, comme c'est juste un dessin comme ça, l'idée, c'est d'avoir un truc qui rend le mieux possible, quoi, et qui est le plus efficace possible. Mais par contre, ouais, qui me permet en même temps d'avoir un truc efficace pour pouvoir parler aux gens maintenant qu'on est pour refaire en présentiel. Non, c'est vrai que c'est deux trucs qui n'ont rien à voir, mais je pense pas que je ferai une avec le style de dédicace, je ferai une bande dessinée parce que pareil, c'est des trucs où il n'y a que des personnages qui sont faits, mais après mettre une perse et puis des bonhommes, tout ça, je suis plus à l'aise à l'ordinateur. Ouais. Mais l'idée, bon, c'est d'avoir un truc où on reconnaît les personnages et puis je vais même mettre un peu de couleur parce qu'en plus, bon, comme il y a peu de couleurs dans la bande dessinée, c'est facile c'est plus facile de retrouver ça dans de retrouver la veste ou la parka rouge de Pouillou. J'aurais dit doudoune. Mais c'est une doudoune en fait. Ouais, c'est plus une doudoune qu'une parka, c'est vrai. La doudoune à Pouillou. La doudoune à Pouillou. Ouais. Bah, il a l'air gentil quand on dit ça, tu vois. Il a l'air sympa. Ouais. C'est clair qu'il n'inspire pas, pas la peur. Ouais. Il n'inspire pas la peur. Ouais. Okay. Et touchant. On en à 36 minutes tranquille, ouais. On va essayer de faire 45 minutes. Il y a juste une question, si tu veux bien nous la relayer, Raph, merci.
de Fabrice, qu'on salue. Merci Fabrice. Même les recherches de personnages sont-elles faites sur ordi? Est-ce que Pouillou, Mills, tu les avais. Est-ce que tu croques pour essayer de trouver l'inspiration sur papier? Ou est-ce que tu t'es directement penché sur l'ordi? C'est beaucoup plus simple pour toi, c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment directement sur l'ordi. Parce que déjà, comme je dessine uniquement depuis longtemps sur c'est vraiment ton c'est naturel. C'est ton, après, c'est vrai que peut-être tu un peu de dessin sur papier au tout début parce que c'est des fois. De téléphone, entre guillemets, des trucs comme ça pour ce patron. Les doodles. Les doodles, exactement. Mais non, c'est vrai que c'est tout sur ordinateur. Et puis en plus, comme ça, comme. Aline Claire, elle est très présente. Ça sert à rien de commencer à faire un dessin où on fait des gros trucs, des gros traits très épais au crayonné, alors qu'en plus, ça va être. Supersoft, ouais, ça peut être délicat. Je relais la question d'un certain David Bray. Merci David, je ne sais pas qui c'est exactement. C'est toutes les influences cinématographiques aussi. Est-ce qu'il y a des influences issues du Batman de Tim Burton? Et David est toujours très smart parce qu'il perçoit ce clair obscur. Mine de rien, tu vois, assez marquant. En fait, le Tim Burton, oui, mais c'est plus. Alors, c'est pas forcément pour le côté mise en lumière, mais plus pour le côté. Non, hyper simplifié. Okay. Genre faire le visage en 3 traits ou 4 traits pour les filles notamment. Et il y a un autre mec qui m'a inspiré comme ça, c'est Jamie Hernandez, qui a fait Locas. Qui est pareil, hyper fort là-dedans et qui est un peu dans la même veine que Tim Burton à faire des trucs des visages que ce soit pour les filles pour les mecs d'ailleurs un peu dans les deux cas pour ces deux dessinateurs là qui sont très simplifiés et en même temps hyper réalistes et ça se tient tout seul et là pareil alors, pour eux vraiment il suffit d'aller sur Photoshop et de décaler de 10% un œil et puis ça se casse la gueule complètement mais eux ils y arrivent en tradis en plus et du coup, c'est vrai que Tim Burton et Jamie Hernandez, c'est vrai que c'était deux influences. Oui, Tim Burton. T'as noté Tim Burton. Tim Burton. Et moi, je parlais de du cinéma, en fait. Pardon. Des décors, d'usine. Le clair-obscur, en fait, de Tim Burton, de toute cette trilogie. Je parlais de Bruce Tim Burton. De Bruce Tim Burton, d'ailleurs. Parce qu'en fait, j'ai vu Batman et du coup, c'est ça. Batman de Tim Burton. Ce côté très noir et blanc, très cru, en fait. C'est vrai qu'en fait, c'est. Oui, mais comme plein d'autres trucs, quoi. Limite, la référence de film, c'est pour moi, c'était vraiment Seven. Oui, et je voulais au côté Fincher. D'ailleurs, petit clin d'œil. Le personnage d'Alex, son nom de famille c'est Mills, comme Brad Pitt dans Seven. Ah, okay. Donc c'est le petit clin d'œil, Je me suis fait à la coupe à Kevin Spacey. Donc... Ah ben voilà, ben parfait. Et du coup, c'est vrai que le Batman de Tim Burton, il est oui, mais entre autres choses quoi. Pardon, très bonne blague de David Bress qu'on ne relèvera pas, mais. Qui est au fond là. David Fincher aussi, c'est quand même mine de rien. Papouille, si tu veux bien, il y a cette planche de l'album qui, je trouve, est fait très David Fincher, très systématique. Non pas celle-ci, celle où elle trouve les indices au fond de la benne. Ça m'a fait typiquement penser à du David Fincher, quelque chose justement très clinique, on en parlait tout à l'heure, et quelque chose de très systématique. Et je me demande, tu as peut-être regardé Seven à nouveau, ou tu n'avais peut-être pas envie de penser au boulot, et dans ce cas-là, tu as regardé un autre film. Mais est-ce que Fincher t'a inspiré ce côté clinique aussi? Est-ce que tu t'es rematé des Fincher en me disant, tiens, je vais m'inspirer de Godner Fincher, de toute façon, je l'ai maté beaucoup. Seven, je l'ai maté beaucoup, beaucoup de fois. Après, pour cette planche en particulier. Incroyable cette planche. C'est une idée. Pour le coup, je suis content de l'avoir eue parce qu'on en parle, donc ça, c'est bien. Donc, c'est ça que ça a marché. Et en plus, c'est une idée qui m'a pris très peu de temps à faire. Parce qu'il suffit de dupliquer la mettre. Donc c'est. Parce que
bonnes idées. Je pose la question. Il y a des bonnes idées qui prennent du temps à faire, des mauvaises idées qui prennent du temps à faire. Ouais. Et là, il y a des bonnes idées qui prennent peu de temps à faire. Et donc, ouais. Ça, c'était. Parce que du coup, j'avais une planche, c'était. Bah, de toute façon, ça, c'est 14 mois de taf. Donc, il y a des calculs comme ça. Très bête et méchant qui se font. Et là, ouais, j'ai fait les deux planches parce que c'est une double page. Donc j'ai fait les deux planches. Page en miroir, non c'est, voilà, c'est ça. En fait, c'est les deux. Ouais, c'est une double page. C'est un gaufrier, page de pas avec des objets différents. Cases, ouais, ancienne. Et voilà, ouais. Et du coup, c'est vrai que c'était rapide à faire. Et ça, si j'en parle, c'est que ça a bien marché en plus. Et en fait, c'est parce que j'avais du mal. C'est bête, mais j'avais du mal à montrer que le temps passait pendant qu'il fouillait. Et du coup, il y a une double page où on voit les. J'ai l'impression que c'est une double page où on prend la page sans pour autant. Donc, on la lit dans l'ensemble, page, mais par contre, on lit pas. Il y a d'abord un paquet de cigarettes, puis un coton-tige, puis un gobelet. Non, puis il y a ce côté gros gaufrier très, voilà. Très monotone. C'est ça, ouais. Donc, c'est un truc qu'on lit d'un coup, enfin, sans faire vraiment le gauche à droite et puis le revenir. Voilà, ouais, le ZZ. Et du coup, bon, c'était une petite, non, ça une petite technique. Bien marché aussi. Mm. Et du coup, on en débattait avec David qui a toujours raison, ouais. De faire de mauvaises blagues, avait un avis plutôt cool. Il se demandait si tu avais envie de faire un tome 2, parce que mine de rien, c'est pas impossible de faire un tome 2 avec ceux qui brûlent. Sans essayer de divulgâcher. Ouais, mais, ouais. Est-ce que justement c'était trop pesant de faire du polar et que tu as envie de renouveler des expériences bande dessinée et peut-être de te confronter à d'autres genres pour avoir un peu plus de légèreté dans la création, parce que c'est quand même sombre. Mais sinon, est-ce que regarde les mentions du match qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, je ne t'ai même pas posé la question de savoir si tu y verras pas tout. Est-ce que tu as envie de faire du polar toujours ou est-ce que tu as envie de te confronter à d'autres genres? Est-ce que tu as de nouveaux projets bande dessinée? Alors, là, ces personnages-là, je les ai pensés pour un tome. Okay. Et je me dis qu'il vaut mieux que ça ait un goût de trop peu que un goût de « Ah, il en a fait un deuxième, il a peut-être dû s'abstenir et tout. » Et en fait, à la base, moi, le polar, pour toutes les, pour Seven et tout ça, c'est vraiment un truc que j'aime, qui me plaît beaucoup, quoi. Mais le truc qui vraiment me donne envie de m'investir encore plus, c'est un autre genre, c'est la science-fiction. Ah, yes. Mais la science-fiction, pour un premier bouquin, c'est beaucoup trop compliqué. Parce que, ce qu'on a dit très vite au tout début, c'est le côté, là, le polar, ça se passe même pas à New York. Il n'y a jamais de mention de la ville, ou même d'un... on sait. Et du coup, il n'y a rien de besoin d'expliquer. Au lecteur, alors que si on est dans un monde qui se passe, je sais pas, 500 ans, 600 ans plus tard, ou de sur notre planète, il faut en même temps qu'on raconte l'histoire, raconter l'univers, et que ce soit assez bien, assez diffus, pour pas qu'on ait l'impression de lire une page Wikipédia au début ou un tutoriel. Oui, toujours cet aspect chiant, les 15 premières pages. Avec la bulle carrée du narrateur dit machin. Et puis j'ai l'impression que les bons bouquins de SF, on est un peu en tant que lecteur enquêteur pour essayer de voir comment est-ce que le. Avec les petits indices qu'on donne, comment. Des indices. Les petites touches comme ça. Voilà. Dit, mais l'univers, en fait, c'est ça. Voilà, exactement. Ils servent à ça les trois cailloux ou trucs comme ça, je sais pas. Les trois coquillages, voilà. J'ai méchant qui s'appelle Cocteau, mine de rien. Ah voilà, tu vois. Ouais. Mais trois cailloux. Bref, du coup. Envie de SF. Moi c'était ça à la base et je me. Mais bon, pour commencer, c'est trop compliqué. Et mes envies pour après, ce serait plus de faire ça, toujours un one shot. De SF, où donc on met en place un univers, mais qu'on retrouverait, je dis retrouverait parce qu'il faut avoir la motive pour que je fasse plusieurs, mais qu'on retrouverait sur plusieurs bouquins, où à chaque fois, du coup, c'est des one-shots, mais on récupère potentiellement, genre le deuxième one-shot, ce serait 15 ans plus tard, et un personnage secondaire devient un des personnages principaux. Puis du coup, on tisse comme ça une espèce de toile. Principaux. Un des personnages principaux. Voilà. Merci. J'avais envie de... Merci. Non, mais t'as bien raison. T'as bien raison. Donc, voilà. Et donc, du coup, avoir ce truc sur notre temps pour pas qu'on ait non plus une série où on attend chaque année ou tous les deux ans qui est la suite. Et donc, comme ça, chaque tome est vraiment
un objet en soi fini, mais qui ouvre vers d'autres tomes et puis donc qui se répondent. Un peu postmoderniste à la Cowboy Bebop, où tu as des épisodes qui se rejoignent pas forcément, que tu pourrais éventuellement regarder dans le désordre. Et, oui, voilà, un truc comme ça. Ouais, ouais, y a ça aussi dans. Je crois que c'est tous les bouquins. J'ai plus son nom. Du mec qui a fait Amakam Psycho et tout ça. J'ai plus Brett son nom. Brett Easton Ellis, voilà. Ou ouais. Dans les lois de l'attraction, on se rend compte qu'un personnage, je crois que son cousin, c'est. Le héros de Amakam Psycho. Enfin bon, il a créé. Bon, j'appelle ça les Vosges. Mais De quoi ? J'appelle ça les Vosges. Ouais, ouais, ouais. Mais Big up hometown. Ouais, ouais. Bref, tu sais, t'as tout un truc où le. C'est quasiment du fanservice. Ouais. Mais ouais, t'as un truc où du coup, tu oh mon dieu, il y a machin ! Voilà, ouais, tu brosses un. Oui, c'est un peu les Avengers presque. Mais du coup, tu brosses un univers qui. Puis même juste prendre la consistance. Puis moi, en tant que lecteur, j'aime bien me voir un personnage. Il s'est passé 15 ans. Ouais. Et je suis pas il a l'air d'être heureux ou il a l'air de bader. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin bon. Tu peux laisser au lecteur. Voilà le soin de combler les trous, de combler les vides quoi. Et puis ça fait que du coup l'univers il prend de la densité en faisant bosser un peu le lecteur. Donc, c'est cool. Je trouve ça assez marrant. Donc ça c'est sur du plus long terme, mais du coup ouais, c'est plus partir là-dedans. Et a priori, ce serait aussi des gros pavés comme ça de 200 pages. Parce qu'en là, pour le coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'un pavé de 200 pages, tu le lis quoi en une heure et quart peut-être. Ce qui me donne la durée moyenne. C'est l'épaisseur, la consistance d'un long métrage en truc. Immersion d'un film. Quoi. Même en tant que tu le lis en une heure et demie. Alors tu peux lire d'une traite en plus. Et du coup, tu as vraiment l'impression d'avoir lu un petit long métrage. Un long métrage, ouais. Okay. C'est pas la longueur d'un roman ou d'une série ou d'un gros roman à l'ancienne. C'est pas non plus une BD de 48 pages. C'est le bon temps de lecture, quoi. En tout cas, ouais, alors temps, oui, quand on aime bien les films. Enfin, quand c'était ma référence, voilà. Ouais, exactement. Ok. Eh ben, Nicolas, on a franchement hâte de ben voir, moi, ouais, ben ces prochains boulots. Mettre au boulot. Faut mettre au boulot. Ouais. Était déjà extrêmement. C'était une grosse star dans la tronche. Acheter, il est vachement bien, quoi. Allez-y, sans aucune réserve. Vous ne serez pas dessus. N'hésitez pas à venir demain après-midi pour discuter un peu avec lui. Et puis, on vous fait des gros bisous. Un peu moins distanciés au fur et à mesure que. Restons raisonnables. On vous fait des gros bisous. Merci de nous avoir suivis. Merci Nicolas encore une fois d'avoir été avec nous. Merci pour la technique. Merci à David pour les mauvaises blagues. Déconcentrés. Voilà. Et des gros bisous à tout le monde. Ciao, bonsoir.